Aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle sur le site sur lequel je vais l'organiser. Comme vous voyez, là, j'ai un obstacle à côté de moi, donc ça fera partie des obstacles qui vont être utilisés pour cet événement. Donc, je vais dessiner un parcours qui sera en partie à l'intérieur de mes pistes plates, et puis il y aura une boucle qui sera dessinée dans les prés aux alentours, un petit peu à l'anglaise. Donc voilà, l'idée, c'est que ça soit le plus naturel possible. Pour les gens à qui j'ai demandé de faire participer des chevaux, je tiens à les rassurer tout de suite. Donc toute la piste sera arrosée, puisqu'il y a un système d'arrosage existant actuellement, puisque à l'endroit où va se dérouler le point-to-point, habituellement, il y a du maïs qui est irrigué. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Normalement, le terrain sera praticable plus que sur certains hippodromes l'été en France. Donc, ce French point-to-point est organisé le 26 août, le lendemain de 2-6, parce que c'est quand même une date assez stratégique dans le calendrier. Il y a beaucoup de gens qui seront là, donc autant faire d'une pierre deux coups que les gens se déplacent pour la totalité du week-end.